Est-ce que le son de zoom est branché? Est-ce que. C'est le moment où on ne se démonte pas. Vous aimeriez bien lire sur les lèvres. <laughs> Aujourd'hui, on fait une session lecture sur les lèvres. <laughs> ah, je crois que j'entends là. Tu entends? Là, c'est. Enfin, ouais. C'est top là, mince. Vous avez ouais. eu quelle blague à partir euh, de, le... quel... de lire sur les lèvres. Sérieux Aujourd'hui, et la a est partie, quelque ça. C'est très très bien. Dans ce cas là, si vous avez eu le son avec la lecture sous... sur les lèvres, vous avez le début. <laughs> Bonjour et bienvenue à tous. Euh, bienvenue à ceux qui nous suivent depuis quelques minutes. Je suis Franck Payen. Je vais être avec vous pendant une heure, moins 2 euh, moins minutes 57. Je suis accompagné comme à l'accoutumée de Pauline Goyard. Bonjour Pauline. Bonjour. Et d'Atom. Bonjour, Atom. Salut, salut à tous. Ah ben voilà, du coup, tout le monde nous voilà. entend, tout le monde trouve que le son est de retour et ça vous fait marrer que je vous ai parlé de la session lecture sur les lèvres. Donc, c'est mmh. parfait. Euh, la question que je vous posais tout à l'heure, euh, c'était est-ce euh, que vous nous suivez pour la première fois sur Beyond slash live slash fr ou est-ce que vous nous avez déjà suivi vous nous connaissez déjà depuis un certain temps euh, dites-nous, moi ça m'intéresse de le savoir euh, la deuxième question c'est est-ce que vous connaissez Eric puisque nous l'avons déjà reçu pour des sessions autour du VFX et du compositing. Donc, euh, vous me répondez du côté Beyond. Et pour ceux qui seraient du côté, euh, du côté YouTube, parce que vous savez qu'on a, a les deux sorties sur ça, euh, vous pouvez nous rejoindre de l'autre côté. Hop! Sur le, sur le lien Beyond, ce que je viens de vous mettre à l'instant. Et comme ça, vous allez pouvoir euh, échanger avec nous. Et nous, on va pouvoir regarder vos portfolios, parce que c'est aussi comme ça qu'on travaille. On regarde un petit peu les artistes qui nous suivent, euh, tout simplement parce qu'on se dit qu'ils aiment bien les sessions et que parfois, il y a des talents qu'on ne connaît pas encore et qu'on n'a pas encore invités. Voilà. Euh, Eric, euh, peux-tu te définir en quelques mots? Euh, ben moi, je suis, je suis un passionné d'audiovisuel, de vidéo, de cinéma, et euh, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Atom, et c'est là-dessus que je partage ma passion et que j'explique des petites techniques aux gens pour que peut-être certaines personnes découvrent le milieu de l'audiovisuel et se lancent dans ça, et euh, pourquoi pas travailler un jour sur des films hollywoodiens. Et tout. Des films hollywoodiens, en plus, euh, tu étais ah en, en plein, en plein euh, film hollywoodien pour l'été, mais plus au calme finalement. Ah plus au calme, totalement. Plus, plus au calme, calme tranquillement. <laughs> Alors ça, on verra, on verra euh, tranquillement quand ça se remettra en place. Ah, oui. euh, moi, je suis très content de recevoir euh, Eric parce qu'il connaît plein de choses, plein de trucs et astuces sur After Effects. Tu as, as, as exploré tout un tas de possibilités du logiciel. Et euh, c'était assez intéressant justement de voir un petit peu dans ton parcours, euh, il euh, y a tout un tas d'étapes euh, de, de création. Et euh, mmh. c'est peut-être ce que tu pourras nous partager tout à l'heure. Euh, je me demande du coup, si on, si on, qu'est-ce qu'on fait On fait un passage sur ton écran pour voir un petit peu plus qui tu es. On fait un passage directement dans ton After Effects. Qu'est-ce que tu préfères dans ordre ah, tu veux, bon, Je pouvoir. peux montrer mon Instagram du Rapidos et après je, je peux montrer ce qu'on ce qu va faire aujourd'hui. Ouais, carrément. Si mmh. j'arrive à me connecter sur Instagram, ouais, c'est bon. Est-ce qu'on en profiterait pas pour faire des. Alors si tu peux, mais par ah. contre ta connexion saute. Ah ma connexion ah. saute. Eh ben... Ouais. Mais on... tu peux en profiter, c'est le moment. Ouais. <rire> Et <laughs> ben bah, bonjour à Kia, Malam malam il y a vachement de gens Bonjour à Hydra, Luna, Pascal, Chloé, Patrick. Il y a un paquet de gens. Hein. Emmanuel, Delphine, euh, des noms, euh, les noms habituels mmh. ou des nouveaux. Greg, Tiemoko, Quentin, James. Ah ouais. Ça, ça fait un paquet de gens en oui, plus il y en a qui ont l'air de dire qu'ils te connaissent bien à euh, Tom donc c'est parfait <laughs> euh, même certains euh, découvrent ton prénom alors que s'ils avaient suivi la session précédente ils le sauraient déjà <laughs> Mmh. Donc voilà, bah bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Euh, du coup, on est chez toi, on est sur ton Instagram. Raconte-nous un tout petit peu euh, ce qu'il y a pour, pour les gens qui n'étaient pas là sur la session précédente et qui n'ont pas vu celle-là. Mmh. Euh, comme ça, vous pourrez, euh, vous pourrez comprendre un petit peu mieux qui il est et ce qu'on va faire aujourd'hui. Yes, euh, du coup, ça, c'est mon Instagram. C'est là où je poste un peu tout mon travail. Et euh, c'est du travail vraiment que je fais au feeling et, et ce qui me donne envie. Genre là, depuis quelques jours, je suis un peu nostalgique. Donc, je poste des... Euh, on ne peut pas voir en grand, mais en gros, je poste des petites images. Ça, c'est le vaisseau des Inzins de l'espace. Ça, c'est Bob l'éponge. Ça, c'est les fameuses rostis qu'on mangeait quand on était petit. Ça, c'est des Legos, des, des petits biscuits de scoobiscuit. Et ça, on va le voir aujourd'hui. Ça va être euh, à part entière ce qu'on va faire aujourd'hui. Et euh, voilà, je poste un peu des trucs qui me font plaisir sur mon Instagram. Euh, et ensuite, j'ai une chaîne YouTube que je peux essayer de vous montrer juste ici. Et hop et en gros, euh, sur ma chaîne YouTube, euh, je poste des vidéos, comme par exemple une vidéo de présentation sur le nouveau Rotobrush 2. Et c'est une vidéo de 9 minutes où j'explique un peu les différences entre le Rotobrush 1 et le Rotobrush 2. Donc ça nous donne des informations. Là aussi, je fais des vidéos, une side vidéo qui s'appelle Focus, où je montre et j'explique comment ils font au cinéma pour faire bah, toutes ces choses. Et expliquer qu'au cinéma, ils ne sont pas un ou deux, mais des centaines. Donc voilà, au moins ça peut vous faire connaître ce milieu-là qui est super cool. Et, euh, et voilà. Mmh. Cool, très très bien. Bah, écoute, c'est une très bonne chose. Et du coup, aujourd'hui, tu nous parlais spécifiquement des biscuits Est-ce que tu nous montres un petit Absolument. peu ce que tu avais sur Insta pour qu'on comprenne un peu d'où ça vient ah. est ce que c'est tout ça Ouais. Bah, du coup, c'est un rendu que j'ai fait euh, hier en live sur mon Twitch. Et en gros, je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais faire les biscuits de Scooby-Doo. Et euh, j'ai fait ça sur Cinéma 4D. Donc, mm -hmm. euh, voilà, avec des textures procédurales, un peu d'un éclairage joli qui rappelle Scooby-Doo avec du violet et du vert. Ça, c'est vachement la touche artistique de Scooby-Doo. Mm -hmm. Et je me suis dit que pour le live d'aujourd'hui, je pourrais essayer de vous montrer comment les incruster dans un plan réel, euh, comme s'ils étaient sur notre commode à l'entrée. Et euh, si vous voulez suivre en direct, bon ça va aller un peu vite en direct, mais si vous regardez la rediffusion de ce live, normalement, Franck va nous poster un petit lien avec toutes les vidéos de base euh, pour que si vous n'avez pas de caméra, si vous, voilà, si vous n'arrivez pas à tourner les plans, bien vous aurez le nécessaire pour aussi chez vous incruster des scoobiscuits. Je vous ai même mis les scoobiscuits en 3D si vous êtes chaud. Donc euh, voilà. Comme ça, ben au ouais, je, je vous ai suivre. mis le lien. Comme ça, on ne vous prend pas en traître. Vous pouvez récupérer les fichiers. Vous pouvez regarder. Alors, faites attention à vos connexions. Quand les connexions déconnent, c'est toujours moins bien. J'en suis le premier, euh, la première victime. Mais ouais. euh, voilà, comme ça, vous avez de quoi, de quoi bosser pour pouvoir vrai. refaire par la suite. Il y a quelqu'un qui a très bien dit dans le chat que j'avais aussi Atom School. Et c'est vrai que j'ai Atom School qui est une chaîne de vidéos tuto, vraiment la tuto pure et dure, qui dure par exemple 18 minutes. Et là, je ne parle pas face cam, mais j'explique dans After Effects voilà, comment faire un sabre laser avec plein de conseils. Donc voilà, Atom School, c'est vraiment des tutos spécifiques. Atom, c'est plus des contrats vulgarisation et tout ça. D'accord. Mais alors aujourd'hui, on est quoi On est plutôt dans l'option vulgarisation et des contrats ou t'es es spécifique un pied, un pied dans les deux un pied dans les deux on va être comme ça <laughs> donc voilà bah écoutez euh, si vous voulez on peut commencer un petit peu euh, pour vous montrer quelques petits trucs intéressants sur After Effects vraiment allez c'est cool bah c'est parti bah du coup moi dans l'archive je vous ai donné un fichier vidéo qui s'appelle plate Denoise. donc on va le lancer dans une nouvelle composition mm -hmm. et c'est juste une vidéo j'ai dinoisé ça veut dire que j'ai enlevé le grain de cette vidéo et c'est super important de le faire ça parce que quand on va faire un tracking 3d s'il y a beaucoup de bruit dans votre image et eh bien le, le tracker qui fonctionne avec un suivi de points va analyser tous ces petits points qui fliquent et parfois ça peut faire buguer donc c'est bien de dinoiser son plan avant de faire du tracking 3d donc c'est juste un petit tips rapidos donc dinoiser votre plan avant de faire un tracking 3d donc on a ça maintenant et euh, en gros, je voulais vraiment faire mon tracking 3D dans After Effects et pas utiliser un autre logiciel comme Boujou ou PF Track parce que euh, vraiment, c'est connu que le tracker de After Effects est très très bon, mais vraiment très très bon. Euh, c'est vraiment un des seuls où tu l'actives et ça marche bien. Donc en gros, on va le faire. Il suffit de. Bon, moi j'ai un truc qui s'appelle euh, FX Console qui me permet d'appeler directement des effets ici. Sinon, Alors, FX il console, dans... Si je ne dis pas de bêtises, c'est Vidéo Copilot Exactement, c'est Video Copilot, ouais. Euh, mais si vous voulez trouver le tracker de After Effects, c'est dans Perspective et 3D Camera Tracker ou suivi de la caméra 3D, parce que moi je l'ai en anglais. Mmh. Euh, et voilà, donc ça va analyser automatiquement. Et ensuite, il y aura les paramètres avancés où on peut faire de, uh, Detail Analyse ou Analyse Détaillée. Et on clique et lui va encore plus uh, rechercher des informations dans l'image pour avoir un tracking encore plus efficace. Donc ça, euh, c'est cool. Il y a des paramètres encore où on peut aller plus loin, comme le Shot Type. Euh, où on peut spécifier l'angle of view. Donc, ça, c'est basé sur votre euh, objectif de caméra. Donc, si imaginons, j'ai shooté avec euh, ma caméra en 14 mm, euh, comme ça micro 4 tiers, alors il faut multiplier la focale par 2, donc ça fait du 28 mm. là, là mais es en train de rentrer dans des trucs hyper techniques. Les gens, c'est eh, -ce un bordel. Filez, hein. là, on vous parle de micro 4 tiers et tout. C'est -ce un c'est C'est euh, -ce des petites informations lancées comme ça. Mais, euh, mais voilà, en gros, il faut faire attention à sa focale quand on fait du tracking 3D. C'est tout d'accord. Je ne vais pas aller plus loin. <laughs> tu, 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 peux. tu peux, mais il faut les prévenir. Il ne faut pas qu'ils <laughs> yes. qu prennent peur et qu'ils s'échappent en mode ⁇ Non, mais on comprenait ⁇ C'est vrai, c'est vrai. <laughs> bah, si vous voulez, je vous fais un petit peu plus peur. Et du coup, après, il faut aller sur un site. Euh, que là, c'est euh, celui-là. Je peux le mettre dans le chat au pire, si vous voulez. Tac. Et en gros, ici, il y aura une liste de focales. Et euh, donc si on avait notre focal en 14 mm, on la multiplie par 2 parce que c'est du micro 4 tiers, donc ça fait du 28 mm. Oula et, ouais, et ici, on aura l'information horizontale et c'est ce chiffre qui fait 65,5 qu'on rentre ici dans le shot type, Specify Angle of View et on met ici 65,5 pour avoir des informations de lentilles qu'on donne à After Effects pour que le tracking se fasse encore plus delicious et pour qu'il marche encore mieux. Donc, du, du tracking avec un, des mots anglais et tout. Alors, ah, euh, on a Anthony qui nous dit, du coup, ça sent le Panasonic. On a Azerati ouais, qui nous dit, sûr. non, non, on comprend, on a les bases. Et Delphine qui nous prévoit de l'aspirine en plus des biscuits. <laughs> Parfait, nickel. <laughs> Prochain live, on fait des Dolly en live. <laughs> <C 'est clair. rire> on va faire des bulles et du Real Flow. Ou toute technique qui soit plus moderne pour faire des bulles, j'en sais rien. Exactement. Bah, du coup, là, euh, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'informations mais euh, parfois eh bien, il manque d'informations comme par exemple sur le bois ici, donc parfois ça peut être un peu embêtant euh, alors là je vais vous donner un autre truc il est dans l'archive aussi, il est dans l'archive c'est un preset que je vous ai fait euh, et en gros quand il n'y a pas beaucoup d'informations comme ça de tracking sur des textures ouais. vous pouvez en gros supprimer le tracker d'After Effects okay. et charger une animation prédéfinie dans, dans After Effects qui en gros c'est des fichiers .fxc ou un truc comme ça et, et en gros, en chargeant ce fichier-là, il va te rajouter une succession d'effets pour pas que tu aies les faire à la main. À la main euh, un et, par par et un. que tu pas à réorganiser tes plans, etc. C'est ça. Okay. Donc là, dans l'archive, vous aurez un, un fichier qui s'appelle « track detail okay. ». Et vous le chargez ici dans « animation »,« apply animation » et vous le recherchez là où vous l'avez décompressé. Et en gros, quand vous allez l'activer, ça va mettre une succession d'effets avec de Fastbox Blur, Invert, CC Composite, Level. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais en gros, ça va rajouter du détail, comme par exemple ici, on voit qu'il y a une sorte de poil, et, et vous voyez que l'image, en fait, gagne énormément en détail et en contraste, mmh. okay. et que ça va largement aider pour ensuite faire une précomposition de notre layer, on va appeler ça Plate, et ensuite aller dans Perspective et refaire un Camera Tracker que là ça marche bien et est-ce que on pourrait faire genre ouais. euh, faire une petite croix en gaffeur au milieu du bureau carrément carrément on peut totalement le faire c'est ce que font en général au cinéma les, per les personnes euh, qui font ça les FX superviseurs ils mettent des petites croix ou des espèces de cartons imprimés avec des quadrillages à l'intérieur avec des trucs comme ça après dans le logiciel ben, le logiciel il se dit ah, ça c'est pas mal ça pour s'accrocher ça aussi donc oui on peut faire des croix sur le gaffeur c'est juste qu'après il faut les supprimer <laughs> donc c'est du taf en plus donc euh, voilà, bah, en général, rajouter de la, du contraste sur une image marche bien. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Donc là, on voit qu'il y a deux étapes. Alors, je, je, moi, je, je te laisse t'adresser au, au très très pro et moi, je m'adresse mmh. au, au pas pro. Il y a d'abord eu une étape, une étape où il a regardé, il a analysé tout ton calcul, tout ton contenu, et une mmh. deuxième étape où il a essayé de trouver où pouvait bien se, se situer la caméra sur laquelle tu t'étais basé. C'est ça. En gros, le tracking 3D, comment ça marche, c'est que lui, il va analyser ben, tous ces petits points que vous voyez ici, les croix. Et eh bien, il va suivre tous ces petits points, image par image. Et ensuite, euh, une fois qu'il a assez de points, il va s'arrêter, il va faire un solving, un solving, mmh. ça veut dire résoudre en anglais et en français pardon. Et euh, en gros, euh, il va se dire bon, si ce point qui est ici dans l'image, celui qui est en jaune là, et celui-là, et eh bien, si ce point rouge il bouge vers le haut et ce point-là il bouge vers le bas, il va comprendre que la caméra fait ça. Et en gros, c'est plein d'algorithmes comme ça. Il va comprendre tout le mouvement des points pour eh bien, reconstruire une caméra en 3D. On fait de la reconstruction de caméra en 3D. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là, on peut voir qu'il y a des points qui sont rajoutés maintenant sur le bois, à certains endroits. Et en gros, on va pouvoir sélectionner des points comme ça. Et créer, en faisant un clic droit, un solide et une caméra. Et maintenant, on a un sol qui bouge en même temps que notre tracking 3D. Donc maintenant, on peut aller ici sur notre... Temps de base et supprimer du coup les effets, parce qu'on n'en a plus besoin. Et maintenant, on a notre sol qui bouge parfaitement. On est bien d'accord que cette vue en gris avec les différents niveaux, c'était un filtre passo mm -hmm. qui a été rajouté voilà. directement. C'est le, le, le fameux preset que tu avais prévu et qui va permettre de mettre en exergue tous les micro-contrastes sur lesquels ça. after va pouvoir se baser. C'est exactement ça. Mm. Exactement. Euh, ensuite, alors... Là, on va basculer ensuite sur Cinema 4D, qui est un logiciel qui marche très bien avec After Effects. Il y a d'ailleurs une version Cinema 4D Lite qui est fournie avec After Effects, qui nous permet de jouer un petit peu à la 3D sans l'avoir complètement. Et en gros, on va devoir rebalancer notre tracking 3D sur Cinema 4D. Euh, et pour ça, en fait, il faut faire plein d'étapes qui sont un peu... Euh... Je vais dire le mot chiante. Euh, on va devoir normaliser Excellent. notre espace 3D. <laughs> euh, on va devoir normaliser euh, notre espace 3D et ça veut dire que euh, quand, imaginons, on va créer un texte et on veut l'appeler 3D test, comme ça, et on veut le créer dans notre espace 3D en le transformant en 3D, et bien il disparaît. Oh, on se dit, mais où il est mon texte Ah, ben tiens, en fait, il n'est plus derrière. Et bien normaliser son espace 3D, ça veut dire qu'on va, euh, quand on va euh, créer un nouveau layer, on veut qu'il soit au centre de notre composition, donc au centre ici où il y a notre sol. Alors, pour ça, à la main. Pour ça, à la main. Et c'est le moment où on perd euh, Atom. Et on va ah, voir. Oui. Ouais. Là, du coup, on est en mode fixe. On va se remettre sur notre tête. Ce sera pas mal. Euh, je l'ai plus du tout sur Zoom. Si, ça y est. Tu rebouges. Ah, c'est bon, tu revenais. Ouais. Ah, ça bugué ouais. ah, Ça a bugué, Donc, euh, c'est le moment où tu as parlé de ton, de ton sol 3D que tu avais normalisé. Donc, ça, c'était bon. D'accord, ok. Euh, bah que Du coup, euh, le... j'en étais où exactement <laughs> euh, Tu étais juste au moment où tu venais de, de poser, le, de poser le, le plan bleu. Il était posé, tu écrit 3D test, ça c'est bon. Et tu nous expliquais ce que c'était que la normalisation du sol. Et tu le faire. D'accord, ok. Eh en fait. okay. bien, en gros, la normalisation du sol, c'est que euh, quand je crée mon texte 3D, vous l'avez vu, euh, 3D texte, comme ça, oui. et que je le transforme en 3D. Ouais. Hop, il disparaît et il bouge, il ne va pas en fait, à l'endroit où ça nous intéresse, ça veut dire l'endroit où il y a le sol. Okay. Et donc pour faire ça, pour qu'on en fait, travaille d'une manière efficace, il faut normaliser notre espace 3 d Et comme je l'ai dit alors que vous ne m'entendiez pas normalement, c'est très compliqué à faire. Et très... Enfin, ce n'est pas compliqué, mais c'est long. Et je ne vais pas pouvoir le faire maintenant, sinon on va perdre un temps fou. Euh, donc en gros, j'ai trouvé un script qui s'appelle Normalize Track, qui s'affiche ici. Et en fait, c'est une solution en un seul clic. Et euh, c'est trop bien. Euh, donc, je vais vous le donner en termes de lien. Hop. Attends, je, te, je vais le chercher. Je gère ton truc. Et moi, j'essaye de trouver le normalized Hop. track. Il est, il, est, il est dans le chat, c'est bon. Regarde, plus rapide que, que l'éclair <laughs> <Allez. rire> euh, Du coup, donc là, on a créé notre sol et on va l'appeler ground. Parce qu'il en a besoin le script. Il faut qu'on l'appelle ground pour dire sol. Et on va l'orienter à peu près comme on veut. Donc, nous, on le veut à peu près de cette orientation ici. C'est plutôt bien. Et on va sélectionner notre caméra et notre ground. Et on va cliquer sur le petit bouton ici. Ça y est, il a été normalisé. Et maintenant, vous allez voir que si on crée notre 3D test et qu'on le met en 3D, hop, maintenant c'est directement ici. Et on peut travailler et créer nos layers. Et ils seront toujours à l'endroit où on veut. Donc ça, c'est très important de savoir comment normaliser son espace 3D. Donc vous pouvez rechercher sur le net comment faire sans le script. Mais bon. Moi, je suis le genre de gars à utiliser des raccourcis. Euh, et du coup, euh, ensuite, euh, pour basculer sur Cinema 4D, c'est là où je dis que c'est super bien fait, euh, du coup, After Effects. Euh, on a juste à sélectionner ce que l'on veut exporter dans Cinema 4D. Donc, en l'occurrence, euh, notre 3D caméra et notre ground pour avoir une, bah, une aide pour savoir où est notre sol. Et on va aller dans File, Export. Et ici directement, il y a un paramètre qui s'appelle Maxon Cinema 4D Exporter. On a juste à sélectionner. Bon là, il va dire que euh, il n'a pas trouvé des layers 3D et tout ça. Donc, on doit resélectionner tout, Export. Voilà, ok. Et là, on va pouvoir sauvegarder une scène Cinema 4D. Donc là, on va l'appeler bon Plat Dinoise. Vous la sauvegardez où vous voulez. Et ensuite, on est dans Cinema 4D ici. Ça, on va y revenir après. On va le survoler ce passage. Et dans le Adobe Live, on va pouvoir, enfin dans mon dossier Adobe Live, j'ai donc ma scène qui devrait se trouver par là, ici, Play Denoise. Et maintenant, je l'importe. Et on n'a pas fait un truc super important. On n'a pas fait un truc super important qui est que dans euh, la composition After Effects, il faut penser. Ça, c'est un truc que After Effects n'a pas. Ça, c'est quelque chose qu'il devrait faire de base, je trouve. Euh, dans les compositions settings, euh, dans le Storm Time Code, il te met une valeur là de 21h58 ouais. minutes. Et c'est un peu bizarre. Donc il faut penser avant de faire un export sur Cinema 4D de mettre cette valeur à zéro. Comme petit, ça, petit, le début petit, est à zéro. J'ai deux, deux, trois petites questions. D'abord, on a oui. eu Daniel qui nous disait, ouais. euh, mais Atom, votre After Effects est en anglais. Alors je lui ai dit, je l'ai rassuré. Je lui ai dit, quand on démarre dans After Effects, on peut le trouver en français. Mais quand on commence à utiliser beaucoup de scripts et d'expressions, la version en langue anglaise est quand même plus efficace, plus fiable, mm -hmm. si je dis pas de bêtises. Ouais, carrément, carrément. Parce que les expressions sont pas en français. Quand tu dois lancer des times, des loops, euh, tout ça, il faut connaître quand même son anglais. Donc, euh, mais de, de, de toute façon, vous inquiétez pas, je connais After fait en français, donc je vous fais la traduction en, en live. <laughs> euh, donc voilà. Donc ça, c'était très important. Ouais, dis -moi. Ah, oui, dis-moi. Et la deuxième question, question. c'est Delphine qui me demande de passer le lien. Donc ça, je vais le faire. C'est bien le lien qui est sur Element Supply de, euh, oui. de Normalize Track D'accord. Je vais Je vais faire. faire T'inquiète. Ouais. Ouais, okay. Et moi, j'ai une autre question. Oui. Alors, si ça rame, vous me dites. Euh, là, en fait, tu as filmé une vraie scène et tu mmh. un petit élément en 3D sur ton bureau. On est d'accord Exactement. Est-ce est que euh, tu est as pensé. Euh, Est-ce que ce serait cohérent ou de faire ça directement dans Aéro Je sais que c'est différent, c'est pas de l'after et tout, mais ça pourrait être une solution. Aéro, donc c'est de l'air c'est ça C'est de l'air ouais, C'est de donc ouais, c est c est du la réalité augmentée. Ouais, ouais. Ouais. Hum. Euh, bah, du coup, en fait, euh, oui, ça pourrait être une façon de travailler. Mais si on veut bosser par exemple sur un petit court métrage ou un film, non, on ne peut pas bosser mmh. sur Aéro. Ouais, ouais, c'est vraiment un support différent. Mais par contre, oui, ça peut être intéressant de prendre juste nos objets 3D et dans Aéro, d'ailleurs, ouais, c'est un truc à essayer. Mais ça serait plutôt pour du filtre Instagram ou euh, des trucs comme ça. Ce serait un autre ouais, support, je pense. Pour un ouais, voilà. Aéro, Aéro qui va vous permettre de, euh... faire, de... Ouais, voilà. faire, faire de la création, faire, du... faire même aussi tout simplement du mock-up. En, oui, en réalité carrément. augmentée parce qu'on ouais. se rend compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des velléités de faire de la 3D mais qui savent pas trop comment l'aborder ouais. comment la présenter à leurs clients etc et quand on arrive à ton niveau dans After Effects ça va, on sait placer les plans, les caméras, ça devient, euh, ça devient un langage naturel. Par contre, pour les gens qui démarrent, jetez un œil à Aero. Je vais vous passer le, le lien dans le chat pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est. Alors, il faut des objets en 3D. Ça, on peut les préparer dans dimension. Ouais. On peut récupérer des FBX ou des euh, des, des fichiers OBJ qui, qui détaillent ou tout ça. Biscuits, euh, pareil, hein. Ou des biscuits, pareil. <laughs> ou des biscuits. Il y a peut-être des mêmes, biscuits ouais. en, en 3D. Euh, et euh, mais euh, par contre, du coup, ça vous permet de communiquer visuellement, faire une maquette, pouvoir dire voilà mon brouillon ça ressemblerait à ça sans avoir mis les mains dans un outil aussi complexe que qu After Effects. C'est clair. Yes. <laughs> bon, du coup euh, là sur la suite. Euh, donc là j'ai remis donc mes valeurs dans la composition à zéro et ça c'est super important euh, pour tout. Dès que vous sortez quelque chose d'After Effects c'est bien de mettre cette valeur à zéro. Il faut y penser. Euh, et ensuite on va resélectionner donc notre plate, notre 3D camera tracteur et notre ground et on va les réexporter avec le Maxon Cinema 4D exporter et on va le remettre ici et on va écraser et ensuite on va dans Cinema 4D et vous pouvez voir en fait que dans ma timeline Cinema 4D la valeur elle commence à 180 enfin 1 900 000 c'est débile et c'est ça c'est pour ça qu'il y a ce problème là et du coup il faut faire open et vous allez voir que maintenant si on recommence c'est bon ça recommence à zéro et on a tout qui marche bien donc c'est nickel euh, donc c'est comme ça que je travaille pour exporter ma scène de cinéma 4D à euh, non de After Effects à cinéma 4D donc je ne vais pas vous montrer comment j'ai construit toute ma scène parce qu'on n'est pas là pour ça je suis là pour vous montrer comment ensuite incruster vos objets 3D directement dans After Effects donc ensuite moi c'est la scène finale que j'ai utilisée tout à l'heure donc euh, j'ai mis mes Scooby ici qui sont en description, enfin ils sont dans le chat aussi pour les télécharger euh, j'ai le plane que j'ai créé tout à l'heure dans After Effects et ensuite j'ai un éclairage donc, l'éclairage, comment j'ai fait Et si je vous parle de l'éclairage, c'est parce qu'on va utiliser Photoshop pour ça. Donc, dans la 3D, hop, ici, ça c'est mon viewer de Octane, normalement, s'il veut bien marcher. Voilà. Donc, j'ai ça. Et j'ai un éclairage, du coup, qui va être un éclairage HDRI, HDR. Ça veut dire qu'on va utiliser un panorama qu'on aura capturé avec une caméra 360 degrés. Comme ça. C'est ça là ça c'est insta 360 ouais, du coup, et ça permet gros... de prendre devant ouais. derrière de tourner avec les raccords Exactement. sur les côtés ou faut faire du stitch ouais. dans After Eh bien il euh, y a zéro stitch à faire. Euh, par contre sur Photoshop je vais vous montrer en fait comment créer vos propres HDR parce qu'un HDR c'est une photo à différentes expositions. Donc euh, moi j'en ai fait cinq en tout. D'accord. Euh, et là en gros si je bouge mon panorama vous allez voir hop ça éclaire ma scène comme si et eh bien euh, voilà je... c'était vraiment dans euh dans mon salon, quoi, ces petites croquettes. Donc, comment créer votre panorama HDRI Donc, une fois que vous avez capturé vos photos, donc ça, je ne peux pas vous le montrer, c'est une caméra, hein, euh, dans Photoshop, il y a un truc très bien fait qui s'appelle le Automatisation et Fusion HDR Pro. Mmh. HDR que je vous ai fourni aussi des, dans l'archive. Donc, ici, j'ai mes panoramas. Donc, vous voyez que c'est des espèces de fichiers ben, panorama, quoi, de 360 degrés. On les importe, on clique sur OK. Et du coup, attends, c'est les fichiers de quoi Ça ouais. Ça sert à quoi J'étais un peu perdue sur ça. Alors, c'est les fichiers qui servent à faire notre éclairage, en fait. Comme tu peux le voir ici. Ouais. Éclairage Alors, ça, Ouais. Des okay. croquettes, ouais. L'éclairage de la scène 3D des croquettes. Là, je vous okay. fais un petit coucou. Je savais que j'allais être ici. Du ah. coup, je vous ai fait un petit coucou, là. <laughs> Salut. Euh, et du coup, en gros, voilà. Donc, j'ai mis la caméra exactement là où il y allait, à, il y allait avoir l'objet. Okay. Et ici, il y aura plusieurs petits paramètres comme supprimer le décalage au cas où si la scène a bougé entre-temps. Donc ça, c'est super bien fait. Euh, il va falloir travailler en 32 bits pour avoir le maximum des informations de couleur. Et pourquoi c'est un panorama HDR Parce que regardez, si on descend dans les basses lumières, on voit que ma fenêtre est toujours exposée normalement. Et c'est ça l'HDR, en fait. Quand on monte, on peut voir les, ondes, les zones d'ombre ici. On voit, là, on a du détail dans les zones les plus sombres, voilà, on a ça. du détail dans les zones les plus lumineuses. Les plus lumineuses, c'est ça. Et, et, et ça, c'est la magie de l'œil euh, et du cerveau humain. Parce que tu n'as pas besoin de faire une pause et tu n'as pas besoin de te dire, tiens, je vais. Euh, euh, tu n'as pas besoin de faire ce qu'on appelle le bracketing, justement, en, pour, la, pour la photo telle que tu viens de la faire. Ton cerveau le fait. C'est typiquement quand vous êtes dans une forêt et vous voyez la clairière au loin et vous êtes capable de distinguer les deux et votre cerveau fait le travail. Et là, c'est la machine qui le fait et ouais, ça demande ça. beaucoup plus d'informations. Exactement, euh, c'est ça. Du coup, il y a une question de Daniel qui demande c'est quoi cette caméra 360 euh, ben, C'est une caméra euh, qui s'appelle la Insta 360 One X, mais je crois qu'elle est plus disponible sur le marché. Ils en ont sorti des nouvelles depuis. Euh, C'est une caméra en fait qu'on pose sur un trépied ou comme ça. Et euh, comme il y a des, deux lentilles de 180 degrés, ça fait 360. Et euh, voilà, ça capture. Donc j'ai pris quatre euh, ou quatre ou cinq photos à différentes expositions différentes que je fusionne dans Photoshop pour avoir un fichier qu'on appelle HDR. Donc là, je vais cliquer sur OK. Il va faire sa fusion HDR. Donc c'est ça qui est bien avec Photoshop, c'est que c'est automatique. C'est dans l'onglet automatisation. On n'a besoin de rien faire. On les importe et lui fait tout le travail. Vous allez voir, là, ça va faire tous les petits trucs. Et ensuite, on va exporter ce fichier-là en .HDR dans Photoshop. Et c'est ça qu'on va mettre du coup dans notre scène 3D pour éclairer nos croquettes. Donc que cette, ce panorama va refléter les lumières, va avoir les vrais reflets du pot de, de fleurs qu'il y a derrière, de mon aspirateur Dyson derrière. Enfin voilà. Tout ça va être... Euh, fidèle à l'endroit où les croquettes vont être incrustées. Donc tu vas récupérer Donc, la lumière et les matières et les, et les éléments. Pour ceux qui sont intéressés, intéressés aussi dans Dimension, c'est ce genre de fichier qu'on peut réutiliser derrière pour faire les fameuses image base lighting, les IBL. Exactement. Vous allez pouvoir ça. utiliser ça. D'accord. Est-ce est que ça. ça prend aussi la couleur Parce que des fois tu prends... ça peut... Ça peut euh, carrément. Bleus, un peu de rouge. Carrément, c'est ça. Ça s'appelle l'illumination globale. Et okay. en gros, c'est imaginons on a une sphère. Ben je peux te le montrer en direct live exactement à quoi ça sert. Donc là, imaginons dans mon panorama j'ai un objet qui est très rouge par exemple ou très vert. On va mettre un objet très vert. Eh bien, si je le mets sur la sphère, hop, tu vas voir que sur les croquettes ici sur la gauche, tu as un léger reflet vert. Eh bien c'est parce que la lumière en fait va taper sur cette sphère verte ouais. et grâce à bien au rebond de lumière, tac, ça va donner un petit liseré vert. Donc c'est pareil avec les panoramas HDR. Ok. Voilà donc ça donne aussi des informations de couleur. Donc euh, voilà donc une fois qu'on a notre éclairage, notre panorama exportant en HDR, on l'importe dans notre Octane Sky donc c'est voilà l'éclairage panorama et on va faire un rendu de ça euh, dans euh, voilà Cinema 4D et ensuite c'est là où on va faire donc l'étape du compositing. Donc le compositing, ça va être de prendre notre fichier Scooby Doo. Donc là, je vais enlever les effets. Donc, on va la recommencer à zéro. Donc en fait, et c'est là qui est bien. Donc quand vous allez exporter quelque chose avec des multipasses, alors là, ça commence à partir dans des délires. Les multipasses EXR, en fait, le fichier EXR, c'est un fichier qui nous permet d'exporter plusieurs informations dans, seul, dans un seul et même fichier en fait. Donc After Effects, surtout dans les dernières versions, contient un effet qui s'appelle Extractor. Et Extractor va nous permettre de sortir toutes nos passes. Donc, nous, par exemple, on veut la beauty. Et maintenant, hop, on voit quelque chose. Et là, on voit nos croquettes. Je ne peux pas être la seule à avoir pensé à Lilou Multipass. Voilà. <laughs> <laughs> t'es pas, pas la seule à y avoir pensé <laughs> euh, vu, vu qu'on avait parlé oui. de Stitch tout à l'heure on est plein dans la session Lilo et, mm -hmm. et ceux qui sont tentés par ça euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus aussi sur les exers on avait reçu Lionel Lucidomini qui est beaucoup sur Cinema 4D qui est beaucoup sur le Motion Café et sur la partie Red Giant qui nous avait fait toute une session aussi sur le compositing euh, de, sur le compositing 3D du coup, là, par contre, il avait pris, il était rentré dans les détails. Donc, complétez, okay. ne, ne restez pas que mm -hmm. sur une session, ce serait dommage. Euh, prenez toutes les sessions, euh, voilà, il y, y a de quoi faire. Je vous retrouve ça et je vous mets le lien. Et euh, on a une question de Azerachi qui demande euh, et sans la photo 3D, ça donne quoi comme résultat Eh bien, sans le donc l'éclairage ouais. HDI je pense. Mm -hmm. euh, sans le panneau. Eh bien, ça donne ça. <laughs> Ça donne du noir tout simplement. Il n'y a pas de lumière. L'illumination, elle est globale et elle est là pour okay. remplacer tout ce qu'on faisait en fait avant comme fausse lampe. Tu sais, on rajoutait okay. une, une lampe de et des lampes ça. sur les côtés. C'est ce que je viens ouais. de créer là. C'est une lampe et là, je peux... je peux me déplacer. Et voilà, là, ça fait une lampe. Mais ouais. on a... tu vois que là, ça fait une ombre ultra dure ouais, et ce qu'on n'a pas ici. Voilà. Et, tout ce que... et que si on rajoute ça, hop, tout de suite, on regagne du volume derrière. On sent que… Ben, il y a une grosse surface de bois, du coup ça reflète de la lumière, ça donne un peu de, de, de marron. Enfin voilà, ça nous permet d'obtenir un résultat beaucoup plus réaliste. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, du coup, c'est vraiment magique en fait. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais carrément. Ouais. Et au cinéma, quand ils ont développé cette technique, tout le monde a fait Qu'est-ce que c'est que ça Donc euh, voilà, c'est top. Et, euh, mais par contre, Merci. on va. <laughs> bah, plaisir. Euh, et du coup, euh, on va devoir maintenant intégrer notre 3D dans notre image parce que là, on peut voir que bien, c'est pas beau. Euh, ce qu'il va falloir faire, des corrections de couleurs et tout ça. Donc, euh, déjà, ce qu'on peut voir ici sur les côtés, il y a des bords noirs. Et ça, ça veut dire que nos alphas, l'alpha, c'est l'information en fait de transparence dans une image, eh bien, on va devoir euh, prémultiplier nos alphas. Donc, il y a une petite euh, information ici, une petite euh, truc à cocher dans l'extracteur qui s'appelle Unmult. Et si on clique dessus, hop, voilà, ça va prémultiplier nos alphas. Et maintenant, on a un bord smooth, comme on dit en anglais. Euh, et du coup, maintenant, on va, on va pouvoir faire, faire l'intégration. Alors, comment faire une intégration La technique la plus simple, je trouve, c'est de rajouter un effet de niveau ou level en anglais. Et euh, ensuite, on va pouvoir aller ici dans le petit onglet couches euh, qu'il y a dans le viewer. Et on va pouvoir aller de couche en couche. Donc, on va aller dans la couche rouge. Et dans l'effet le... niveau, on va aller dans la couche rouge aussi. Et en gros, euh, alors. Je rajoute juste le petit câble parce que j'ai plus de batterie. Nickel. Euh, et du coup, euh, l'œil humain va beaucoup plus facilement matcher les contrastes d'une image en noir et blanc qu'en couleur. C'est ouais. comme ça, même un enfant pourrait le faire. Donc, allons dans les couches rouge, vert, bleu, et séparément, nous allons les changer. Donc là, on peut voir que les euh, croquettes sont beaucoup plus claires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va assombrir un peu les croquettes pour que ça marche plutôt bien. Donc là, je trouve que... On est pas mal, donc après on pourra le refaire une deuxième fois. On va aller dans la couche verte et on va passer dans la verte ici et on va pouvoir voilà toucher un peu les réglages. On va aller dans la couche bleue. On peut voir que c'est un peu trop sombre. Et donc, ça, ouais, le, le, le fait de, de passer, de décaler dans les différentes couches et tout, ça, c'est une étape régulière sur tes, les boulots de compositing. Carrément, pas se tromper, ouais, quand, pour, euh, pas, pour ça. pas passer. Ouais, pour matcher coup, les couleurs. Pourquoi, ouais. euh, comment tu fais pour matcher les couleurs alors que ton rendu il est en noir et blanc Eh bien, c'est ce que j'expliquais. Du coup, là, on est allé dans les couches rouge, vert, bleu, donc séparées. Ouais. Et une fois que ben maintenant, je viens de faire les couches rouge, vert, bleu, si je repasse dans ma couche RGB, donc fusionnée. Ouais. Maintenant, ça marchera mieux. Donc là, on peut revenir, on peut dire bon, il y a un peu trop de bleu. Okay. Et après, on rectifie un peu. Et en gros, sans les effets, ça fait ça. Ah non, ça fait ça. Et maintenant, ça fait ça. Okay. Donc, on voilà. peut Donc voir que ça ça, ça, ça. ça répond à la question d'Azerati qui nous disait euh, et qu'est-ce que ça donne sans la, sans la photo 3D. Voilà, là, on est en plein hein, en <laughs> rajoutant ce, ça, cela. à quoi à quoi, à quoi nous dit, est-ce que tu utilises parfois une Chrome Ball, une gray Ball et Macbeth pour t'aider dans ton process Alors. Pas du tout parce que j'en ai pas euh, mmh. par contre euh, ce qui peut aider c'est à la place des croquettes tu mets un objet qui ressemble un petit peu qui a les mêmes informations de couleur mmh. donc là moi à côté j'ai ma boîte de airpod donc je peux me dire bah, l'ombre elle est comme ça elle va dans cette direction euh, tu peux mettre des objets qui ont presque la même valeur physique en termes de réflexion et tout ça mais en général c'est du matos qui coûte un peu cher et tout donc je l'ai pas euh, c'est des choses qu'ils ont au cinéma en fait dès qu'il y a une incrustation ils mettent une grey ball une, euh, réflexe, une boule miroir pour exactement avoir ensuite les mêmes informations en termes de teinte euh, pour que et ça soit teintes, parfait de reflets euh, voilà, d'avoir les, les spéculaires aussi fin les hautes bon les zones de lumière ouais, et la, et la teinte diffuse c'est hyper important exactement, ben, merci beaucoup parce que je connaissais pas du tout euh, crumble, grey et Macbeth et J'en avais jamais entendu parler je connaissais juste ouais. la, la boule miroir <laughs> en fait, yes euh, bah, du coup, là, euh, on a matché un peu nos couleurs. Donc ensuite, on va aller dans nos RGB et on peut changer ensuite la luminosité globale de tout ça pour que ça matche mieux. Et ensuite, on peut par exemple rajouter un effet de teinte pour le rendre en noir et blanc, mais ensuite, on peut gérer un peu pour que ça soit moins saturé, par exemple comme ça. Et là, déjà, ah, je... on a quelque chose qui marche beaucoup mieux en termes de couleurs. Donc on passe de ça à ça. Donc c'est vraiment le, le jour et la nuit. Hein. Et ensuite, euh, il y a quelque chose de très très important dans l'intégration de, de la 3D, et il ne le faisait pas du tout à l'âge des premiers effets visuels, euh, c'est le flou. Parce que notre image, même si elle est d'une qualité incroyable, sera à 0,1% flou. Et quand on rajoute de la 3D, on peut voir que ça pique à l'œil. On sent que c'est net et que okay. le fond est flou. Donc, on peut rajouter un effet de fast -box blur ou flou encadré accéléré en français. Et on peut rajouter une valeur de par exemple 0 .2, 0 .3 pour essayer d'avoir plus ou moins de flou. Okay. Et ensuite, cette valeur, on peut l'animer. Donc là, par exemple, je commence de loin. Donc là, le flou est plus intense. Donc je peux mettre une clé d'anime et dire, ce ben, sera flou à 2 ou 1.5. Ouais. Et ensuite, plus je me rapproche, donc par exemple, voilà ici, je peux mettre .3 ou .2. Mmh. Ouais, bah parce non. que ton flou, il va permettre de lisser un peu les pixels aussi. Il va ouais. permettre d'intégrer. Tu avais intégré en termes de couleur, tu en termes ah. de qualité d'image de, de, au fur et ça. à mesure ouais, pour que ce exactement. soit de plus en plus réaliste. C'est ça, c'est ça. Et par contre, on voit qu'en termes de calcul, du coup là, malgré ta machine, parce que je sais, je sais que tu es euh, très bien équipé en termes de cartes ouais. et tout ça, il y a quand même le temps de pré-calcul de pré d'after qui, ouais. qui, qui commence à arriver enfin je, 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 je suis rassuré c'est un peu <laughs> immédiat pour moi <laughs> yes donc euh, voilà et ben après vous pouvez rajouter votre color correction finale et, euh, et voilà donc euh, libre à vous de vous amuser ensuite à intégrer vos objets 3D Et Thomas qui donc nous ça dit, bien sûr c'est vrai. on dirait vraiment des vrais <laughs> Euh, bah, 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 c'est gentil ça veut dire que c'est réussi non, en vrai en, en plus je l'ai fait très rapidement ça euh, euh, puis c'est des choses en fait ce genre de, de trucs il faut en fait partir de l'écran mmh. parfois boire un café faire quelque chose et revenir parce que tu bosses tellement tu dis mais là ça me paraît bien et tout puis tu fais une pause d'une heure ou deux tu reviens tu fais ouais, comment ça me saute à l'œil ça donc euh, dans le milieu des effets spéciaux il faut prendre de temps, et il faut se dire, bon j'ai bossé deux heures là, ça me paraît bien, ben non tu t'en vas, tu vas faire autre chose, tu reviens et tu fais ah ben non, en fait c'est pas bien parce que ton œil s'est déshabitué et il oui. sera habitué à quelque chose de logique et plus à ce que tu travailles. Donc parfois il faut partir et revenir. Donc là je pense que si je on s'en va ou moi je m'en vais et que je reviens, je dirais Oh là, peut-être que les zones de lumière sont trop voilà. Donc ça c'est des trucs aussi, hors logiciel, il y a des choses à prendre en compte. C'est l'œil. C'est l'œil, et puis c'est peut-être aussi vrai. le rôle sur des productions plus grandes d'un VFX superviseur, donc quelqu'un qui va exactement. contrôler et qui n'aura pas le nez dans le cambouis et qui pourra exactement. te mettre le, 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 le doigt sur les trucs complexes. C'est exactement ça. Et je vois quelqu'un dans le chat qui dit quelque chose de très intéressant, et ce qui est vrai, on peut rajouter le pattern du bruit de la scène, exemple une scène filmée à ISO 3200 qui a du grain. Donc c'est vrai qu'on peut rajouter du grain si notre image en a. Donc moi, je l'ai dénoisé, donc non, il ne devrait pas y en avoir. Mais s'il y a du grain, on peut euh, renoiser notre 3D. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'en 3D, on le fait tout le temps, ça, de renoiser. Mm -hmm. Et il y a un effet dans After Effects qui est vraiment très bien. Donc, en anglais, c'est Match Grain. Mais en français, c'est Correspondance de Grain. Et en mm -hmm. gros, on va pouvoir sélectionner un fichier. Et on va pouvoir lui dire de eh bien, matcher son grain. Il va récupérer son grain de l'image et il va le remettre sur la zone qu'on veut. Donc on met en final output. Donc là, non, il ne devrait pas y en avoir parce que bah du coup... Euh... Il n'y en a pas dans, ta, dans ton image de départ. En voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc ça peut rajouter quelque chose dans les ombres un peu. Donc ça peut ra rajouter eh bien, un bien cet effet un peu, bah c'est pas propre. Ok. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc match grain est très bien. Moi je m'en sers tout le temps. Ou il euh, y a juste l'effet aussi euh, add grain. Donc on rajoute bruit. Et voilà, on peut en rajouter. Donc là, on a en prévu, on fait en final output. Euh, mais du coup ça fait des trucs donc il faut bien le régler la size que ce soit petit l'intensité que ce soit plus petit est-ce euh, que la ça couleur... rajoute comment beaucoup de... de rajouter du grain et des choses comme ça en temps de ça calcul on... ouais. euh, alors euh, en temps de calcul le add grain non mais le match grain de after effects oui okay. parce qu'il va essayer de capter eh bien ce grain et de le remettre sur quelque chose je pense que c'est un truc quand même assez gourmand ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà quoi parce que c'est ça pour ceux qui testent en direct, on sait que toi tu as un ordinateur de folie. <laughs> donc ne s'étonne pas s'il clique sur un truc et que en fait ça prend 5 minutes. Ouais, voilà ouais. C'est vrai que Après, là, là c'est ça. Moi je peux aller tranquillement euh, fluidement dans la timeline. Mais à si à vous à galérez pour les personnes Ouais à peu près fluide, Il y a un peu plus fluide. Hein. On connaît la timeline d'After, hein. <laughs> euh, mais du coup pour les personnes qui bah, par exemple connaissent pas trop After, ouais. et qui n'ont pas un PC trop puissant, vous pouvez aller dans la qualité et pas travailler en full, mais le ouais. faire en third, en, en quart. Okay. Bon, voilà, ça sera flou, ça sera un peu qualité pas belle, mais voilà, vous pourrez travailler. Si je me mets en un quart, moi la prévis devrait aller beaucoup plus vite, quoi, parce qu'on calcule que un quart des pixels. Ce qui se passe là-dedans aussi, c'est un truc que j'essaye de, de rappeler aux gens, la différence qu'on va avoir entre un After Effects et un Premiere, c'est que Premiere va se focaliser beaucoup sur le rythme de, du film, le rythme du montage et la compréhension de l'histoire, alors qu'After Effects va fonctionner un petit peu plus comme un Photoshop, on va se focaliser sur le pixel parfait. Il faut vraiment que tout soit parfait dans l'image, que tout soit très bien organisé, etc. Et donc euh, là, quand tu passes au quart, ça te permet de te focaliser sur le rythme de tes déplacements. Ouais, compliqué. voilà. C'est ça. Exactement. Mmh. Exactement ça. On et a une, ensuite, une petite ouais, remarque ouais. Pardon, ouais, de Kenan qui nous dit en prod, il ne faut pas hésiter à garder le grain exact de la, pla de la plate à 100% et pas de faire un grain correspondant ou un grain qui match pour que ce soit, euh, que ce soit bien réaliste. Exactement. Bah, bah, ça, du coup, c'est la différence entre euh, bah, les personnes comme moi et ceux mmh. en prod. En production de films et tout, c'est que nous, euh, à notre échelle, un petit peu les personnes, euh, voilà, qui sont soit auto-entrepreneurs ou des petits, des petits gars, euh, on, on, on le fait un peu en système D. Ça veut dire que, ben, mm -hmm. nous, on a le match grain, ça marche bien, c'est cool, c'est efficace, c'est direct. Mais en fait, par right. exemple, ce qu'il dit, il faut garder le grain exact de la plate à 100%. Il y a des métiers presque rien que pour ça. Je me rappelle, j'avais parlé avec un abonné qui travaillait sur des films comme John Wick et tout ça, et lui, en fait, son métier c'était de. Je me rappelle plus le terme exact de son métier, mais je me rappelle plus et en gros il est, il est avec un petit calepin et mmh. il regarde la caméra et il note tous les réglages tous ouais. les réglages focal, machin tac tac shot, machin focal, truc l'iso, le machin le truc et, et comme ça après ben, ils arrivent en prod ils ont un petit document texte avec toutes les données et ils peuvent se dire bon ce shot là on l'a tourné avec quel focale quel iso quel truc quel shutter et comme ça ils récupèrent tout Donc je, rappelle, je crois que c'est un wrangler ou un truc comme ça euh, mais du coup euh, voilà il y a des métiers pour tout dans la prod et c'est ce qui explique le temps de création de ces films là le nombre de personnes qui est là dessus et c'est ça les, la différence entre ben, ce que dit Kinan et moi c'est que moi je suis tout seul et que <laughs> eux ils sont euh, 300 Ouais. C'est aussi un des trucs à rappeler, c'est que là, vous êtes euh, sur After Effects et euh, vous avez sous la main à la fois After pour la compo, vous avez Photoshop pour préparer vos, vos plans, vous avez même Photoshop pour faire du, euh, du, du remplacement basé sur le contenu quand euh, vous voulez faire du nettoyage. Il est capable de faire ça et d'automatiser ça. Je pense à tous les gens qui font de la, de la vue en drone, par exemple. Et tout ça, c'est accessible, c'est à portée de main et c'est sur un matos qui devient vraiment abordable, quoi. Enfin, vraiment, il y a toute proportion gardée. On n'est pas en train juste d'avoir une feuille et un crayon, mais on voit quand même sur ce genre de, de petite production, on est capable de faire ça. Et ouais. à quoi post me dit bien que c'est le Render Wrangler. Wrangler, ok, voilà, c'est bien ce que ouais. je pensais. Bah après, tu ouais. vois, pour les histoires de grain faut aussi remettre en perspective c'est où que ça va être diffusé votre vidéo, votre création si c'est pour mmh. la mettre sur votre site ou sur Instagram, ce n'est pas les mêmes priorités que euh, des mecs qui vont diffuser ça euh, en écran géant, tu vois. Donc ça, il ne faut pas ouais, ça. non plus. Ouais. Exactement. Bah, c'est ce que, ce qu y a un peu euh, avec ça que je... Enfin, avec les gens qui travaillent en prod, euh, parfois, ils me disent « Ouais, mais là, tu, c'est beaucoup de raccourcis, machin. » Je fais bah, « Ben, c'est peut-être un raccourci, mais moi, ouais. ça marche pour ce que je dois faire. Mmh. Donc, euh, certes, c'est pas ta méthode, mais moi, pour ce que j'ai à faire, c'est parfait, c'est nickel. Voilà, Donc, euh, voilà. Mais en général, ces personnes-là qui travaillent en prod sont très méthodotiques. Méthodiques. Méthodiques, méthodique Et ils, vont, ils ont une marche à suivre, bam bam. bam Et si on sort un peu de ça, non, qu'est-ce que tu fais Ça le fout, ouais. Parce que c'est ça, c'est ça une prod. C'est voilà, il faut que tout mais est tu es, es, es obligé d'être capable aussi, parce que tu le disais, tu avais ton Render Wrangler qui était en train de noter tout ça. Mmh. Tu es obligé de te dire que si jamais la prise... La prise de vue réelle qui vient après, elle doit être refaite deux jours plus tard parce qu'on aura la même lumière, etc. Tu as intérêt d'être sûr d'avoir la même lumière au voilà. bon endroit, que les plans soient ça. corrects, qu'on ne passe pas des plombes derrière en étalonnage pour rattraper quelque chose qui aurait été aussi vite fait. Au tournage, tu es obligé de, 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 de la méthode, justement, c'est ça. Ouais. Alors que moi, mes tournages, c'est euh, oh les gars, on mange un McDo, ouais, mais attends, avant il faut faire la prise. <laughs> donc, c'est plus euh, voilà, on est là, on, on le fait au feeling, quoi. Que c'est pas des prods où vraiment tout est carré. Il y a des types pour tout, des éclairagistes, l'audio avec la perche, enfin voilà, c'est ouais, des chats différentes. Et puis, tu <laughs> dépenses un euh, million de dollars par jour, voilà, vraiment, qui n'est pas euh, voilà. qui, ouais, forcément, <laughs> ils, doivent, ils, ils doivent être carrés, ouais, exactement, c'est ça. <laughs> Et euh, du coup, oui, un petit dernier tips euh, que je n'ai pas abordé, qui pourrait être très cool pour matcher les luminosités et les hautes lumières, c'est que il euh, y a un petit outil, une petite fenêtre qui peut se trouver dans After Effects dans euh, Windows, donc fenêtre. Et il y a la fenêtre info. Et c'est cette fenêtre que j'ai ici. Moi, je me la suis carrément mis dans lui parce que c'est important. Et en gros, on peut cliquer sur ces trois petits boutons-là et passer, donc de base, c'est auto-color display. Mais mettez-le en HSB, donc c'est U Saturation et Brightness, donc c'est euh, la couleur, la saturation et euh, le, la, luminosité. la luminosité. Voilà. Et en gros, ben, la souris, quand on va passer par exemple dans les basses lumières, de ici, par exemple, on va dire que ben, la brightness est à 3%. Et après, dans mon rendu 3D, on peut regarder, je suis à 3%. Donc ça veut dire que mes noirs entre mon rendu 3D et ma vidéo sont bons. Et je peux pareil, dans les hautes lumières, je peux chercher un endroit avec des grosses hautes lumières. Je ne sais pas quel est le, je dirais ici. En brightness, on est à 58, 59, quelque chose comme ça. Et si on regarde par ici, je suis à 84. Donc c'est beaucoup trop élevé. Donc moi, ensuite, je peux aller ici et rechanger un petit peu mes hautes lumières pour essayer de, de retravailler tout ça. Quoi. Donc c'est à gérer. Donc là, maintenant, je suis à... 53, donc c'est à toi de gérer ensuite les hautes et les basses lumières avec cette, ce petit outil info. Comme ça, au moins, ben, tu auras les hautes lumières et les basses lumières. C'est une chose très importante à régler dans ces rendus 3D pour que ça marche bien. quoi. Ok, c'est intéressant. Ouais. Yes. Voilà, <laughs> ben, je pense avoir mm -hmm. fait le tour des tout petits tips comme ça. Euh, je pense que les prochains trucs, on, on fera d'autres effets, on fera d'autres incrustes, il y aura d'autres choses à voir. Mais je pense que pour un truc aussi basique, on a fait le tour. Euh, moi j'ai une question. Est-ce que, est que euh, dans, After Effects, euh, dans After Effects, ça existe euh, le Content Aware de Photoshop Du coup, ça pour de la vidéo Oui, bah, du coup, oui, ça existe. Ah, oui. Est-ce que, est que, euh, je... un... est que tu Parce nous que fais Parce que c'est un peu un le de, tes outil biscuits, de la terre, tu, vois tu nous fais un rendu mm -hmm. de tes biscuits, tu nous les fais disparaître. Ou tu fais ah un, euh, la disparition de la boîte, juste Ouais, avant. tu peux... Je, je peux essayer de faire ça, ouais. ouais. Euh, bah, du coup, on va essayer de le faire. Euh, on va on va prendre ça. Ok donc on va tout supprimer, on s'en fout. Okay. Alors, du coup C'est contenu pris en compte dans Photoshop, qui identifie ce qu'il y a autour de l'image et qui vous supprime un truc. On l'avait vu ça. avec les touristes chinois. Euh, mm -hmm. Donc on a ça et euh, imaginons on veut effacer cette boîte d'AirPod. Donc on va voir comment il va se débrouiller parce que c'est quand même il faut le dire relativement sensible par rapport à la texture. Et, et tout ce qu'il y a dans la scène, donc ce qu'il faut faire ouais. pour faire marcher le content-aware, il faut faire une sélection de l'objet qu'on veut effacer. Okay. et non, après, il faut l'animer pour qu'il suive cet objet. donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est dans euh, l'avantage qu'on travaille dans after et pas dans photoshop, c'est qu'on peut prendre notre masque en appuyant sur m pour faire apparaître des masques et faire un clic droit et track masque et ici on aura une petite fenêtre qui va s'afficher, donc je vais juste supprimer des panneaux. voilà. et ici, ça aussi, m'en fous. Voilà, on aura donc track de masque et on va pouvoir appuyer sur play et lui en fait il va faire un tracking directement de l'endroit que l'on veut effacer. Donc là par exemple notre boîte, donc là ça va le faire. On va le laisser tourner, plutôt rapide en plus, c'est cool. Ah oui, c'est magique. Là vers la fin ça, ça ça bug un peu, donc on peut juste supprimer les clés qui sont ici et après à la main, hop, voilà, à la main on peut re le l'objet si ça il va te faire de toute façon une interpolation pour ouais, les... les clés entre les différentes clés ouais. Ouais. Voilà. Et là, voilà. Et sinon on peut utiliser aussi Mocha qui est fourni directement dans After Effects, qui est un très bon tracker planaire donc ça veut dire de surface. Mm -hmm. Donc voilà, on a ça, on le fait rapidos et ensuite on peut euh, appuyer sur le masque et le mettre en mode soustraction parce que c'est ça qu'on veut soustraire de notre image, c'est ah, ce trou là qu'on veut que le content aware calcule. OK. Donc on aura juste à aller dans Windows et Content-Aware Fill. Présente compte de contenu. Euh, on peut faire un doc. Ouais, voilà. Donc, ça fait ça. Et on peut voir ici qu'il y a eh bien de l'alpha de notre image. On le voit ici, il y a un petit trou alpha et tout le reste est noir. Donc, ça, en gros, il calcule que ben, ce qui est en alpha, c'est ce qu'on veut reboucher. Donc, ensuite, on aura la méthode. Donc, soit on dit que c'est un objet. Donc, nous, en l'occurrence, c'est un objet. C'est une boîte. On peut dire que c'est une surface aussi, sur une surface pleine. Et euh, Edge Blend, je crois que c'est un mix des deux. Il fait un truc un peu… Euh, voilà, il essaye de faire un truc euh, un peu réfléchi. Il va et... faire attention au bord parce que tu peux avoir ouais. des éléments sur lesquels le, le mélange, par exemple, si tu es sur une forêt, le Edge Blend va pouvoir fonctionner assez facilement parce que tu as des zones très texturées et qui n'ont qui pas besoin d'être précises. OK. Yes. Donc, nous, on va se mettre en objet. Et ensuite, on peut faire… Euh, Generate fill layer ou create a reference frame. Et En gros, reference frame, ça va ouvrir Photoshop et on va pouvoir, le tampon duplication, nous créer notre propre okay, surface. On voilà, et il va se baser sur ça pour ensuite euh, prendre l'image que tu as fait sur Photoshop et la rebalancer en vidéo. Mais nous, okay. on va le faire en generate fill layer pour voir eh bien ce qu'il a dans le ventre. Donc, on va faire générer et lui, ensuite, il va calculer euh, en EXR. Là, on le voit analyser comme ça. Et on va le laisser tourner, on va voir ce que ça a donné. Donc c'est vrai que j'ai pu faire des tests avec le Content Aware, et dans certains cas, ça marche hein du tonnerre. C'est fou. C'est vraiment super bien, quoi. Mais là, on mais... sent que... que... Qu'il y a des technologies qui sont rajoutées, qui s'en folent, comme le rotobrush et tout ça. Le 2, là, pff, la prochaine fois, on va faire du rotobrush en live, vous allez voir, c'est incroyable. Hein <laughs> Pour ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, le Generate Frame, référence Frame, en fait, il permet aussi de faire plusieurs images de référence en fonction de l'avancée du plan. C'est-à-dire que tu peux tout à fait te dire, bah ouais, là, ça ne matche pas trop parce que euh, les lignes du bois étaient dans ce sens-là, mais sur la fin, peut-être qu'on va redresser. Et du coup, tu peux passer un peu plus de temps dans Photoshop pour que After compense ces, euh, ces changements-là. Ah, bah, du coup, marrant. je lance. Donc là, on voit qu'il y a des, petits, des petites aspérités. Donc ça, c'est l'ombre. Donc dans le masque, en fait, on aurait dû euh, étendre un peu la sélection, je pense, de mmh. notre boîte. Parce que nous, on a sélectionné la boîte. On aurait dû prendre l'ombre avec. Mais on peut voir que eh bien, ça marche. On voit que les deux lignes qui sont ici, tac. les continue donc c'est vraiment bien il se dit bon ben là les deux lignes elles sont là donc je vais les continuer et, et franchement si on retravaille le masque on peut effacer facilement des objets ou même des points des, des croix que tu as dit tout à l'heure tu sais Pauline pour le tracking ouais. Bah ben voilà ouais, euh, ouais, quelques, quelques petits masques et ça s'efface ah, ouais, là bon c'est un, un peu pas propre parce qu'on l'a fait en rapide mais si on voulait vraiment le faire et puis vous avez vu que ça, ça avait euh, été rapide pour générer toutes les images parce que je crois que le content aware a été grandement amélioré sur la vitesse dans les dernières versions d'After avant c'était un peu long, mais maintenant c'est bien. Donc là, hop, mmh. on a effacé notre boîte qui est quand même plutôt grosse. À un moment, elle passe même devant les Malabars. Le, mal, le, malabar, enfin, le, le Carambar. Un carambar, tu ben, te trompes Ouais, pas. Carambar, pas Carambar. Et donc voilà, je trouve que ça marche et, plutôt euh, bien quand même. Et alors, si, puisque tu dis dans les dernières versions d'After, mmh. euh, pour les gens qui sont des utilisateurs qui démarrent sur After et qui ne connaissent pas trop, vous pouvez vous contenter de ça. Par contre, pour les gens qui nous suivent et qui avaient l'air de parler le même langage que toi, euh, OpenExer, de comprendre tout ce qui était, euh, tout ce qui était incrustation, compos, etc., euh, vous allez apprécier que euh, qu'Atom qu passe dans son Creative Cloud pour aller voir les applications en bêta. Est-ce que tu peux jeter un œil sur cette fenêtre là oui. pour nous Parce que okay. ça, ça va vraiment vous servir. Je, toi, tu as pratiqué ça ou pas du tout ou pas encore euh, Moi Ouais. Les, Les applications appli bêta. bêta ouais. Ah bah grave, grave. After effect, avec le RotoBrush 2, je l'ai séché. Hein. Alors ouais, euh... Alors, jetez un oeil. Alors, change pas de fenêtre tout de suite. Sur cette mm -hmm. fenêtre là, quand vous ouvrez votre Creative Cloud, vous avez toute la liste photo, design, etc. sur le côté gauche et en bas, vous avez application en bêta. Avec le voilà. petit Erlen Meyer de, de labo. Et là, vous Ça. allez avoir accès à toutes les versions: euh, After, première, Media Encoder, caractère Animator, prélude, Rush. Euh, vous pourrez et audition. J'allais oublier audition. Et vous pourrez prendre la dernière version, euh, celle sur laquelle les ingénieurs sont en train de travailler, avec parfois des nouvelles fonctions magiques euh, qui n'existent okay. pas encore pour le grand public, et surtout les dernières petites corrections de bugs, euh, mmh. ce qui vous permet de gagner du temps. Et ce qu'il y a de cool là-dedans, c'est que vous pouvez aussi envoyer vos propres retours ouais. directement aux équipes de développement d'After ou de, des autres programmes vidéo pour, pour pouvoir dire bah voilà, moi j'ai vu ça, j'ai besoin de tel truc, j'ai besoin de euh, sur ma machine qui est avec telle carte graphique, je me rends compte qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, et bien on peut gérer ça directement dedans. C'est ouais. ici, ce petit paramètre-là, quand on clique dessus. Exactement. Wow. Eh bien là, okay. par exemple, RotoBrush 2, est-ce que c'est bien ou pas? Tu, tu cliques, non, c'est pas prêt. Oui, c'est prêt pour que vous puissiez le sortir. Et euh, si oui ou non, on peut mettre un petit commentaire en mode ben là, ça crache à ce niveau-là. Si on appuie sur ça, ça crache. Mm -hmm. Et tu envoies, et comme ça, les développeurs le reçoivent, et hop, ils se disent, ah, ça crache là, d'accord, et ils changent ça. Et là, après, mm -hmm. on, on a tous les all change. Et là, ils disent qu'en développement, il ben, y a le RotoBrush 2, il y a les masques, euh, il voilà, y a plein de choses. Et, euh, et voilà quoi. Et, tout. et après, ils t'expliquent et... un petit peu tout ce qu'ils ont réglé. Je ne savais pas, mais c'est pas le même after, du coup, ça te fait... Euh, as un deuxième after qui est, est ça. en bêta. Oui. Et... Comme ça, s'ils ouais. plantent, ce n'est pas grave. Quoi. Voilà, s'ils si, plantent, baisser. tu peux revenir sur tes projets d'avant, il n'y a aucun souci. Okay. Ça permet aussi beaucoup, tu sais, parfois, tu as des gens qui ont euh, une carte graphique particulière avec un plugin spécial. Ils disent, ah oui, mais ça ne marche, ça marche pas de la même manière qu'avant, etc. Okay. Euh, parfois, quand ils... si vous envoyez les bugs à l'équipe de développement, ils vous disent, bah voilà, là, on l'a corrigé, on a eu le temps de regarder tel truc. Donc, tu regardes, si ça marche, c'est bien, tu continues euh, et tu peux travailler sur les dernières versions. Trop yeah. cool. C'est bien, ouais. ben, Moi, c'est pour ça que maintenant, quand je bosse sur des effets spéciaux, je bosse sur mon after Effects normal. Et dès que je dois oui. faire du rotobrush 2, hop, je vais sur la bêta. Voilà, et après je le réexporte sur mon after, et voilà, je, je bosse comme ça. Bon, on en bon, attendant on... que ça arrive officiellement sur, sur, sur la version effect. actuelle, ouais. ouais Donc, vous avez ça. vu, on a essayé de vous faire une, une session qui, qui était très avancée. Et en même temps, euh, très découverte, parce qu'il y avait euh, mes questions et les questions de Pauline. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est la balance. Parce que si on laisse Atom tout seul, où, là, là vous, vous allez avoir du très, 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 très complexe. Ça, ceci dit, on peut toujours le retrouver sur ta chaîne, sur Atom TV. Ouais. Euh, quand, on a, <laughs> quand vous avez besoin d'avoir du hyper pointu, il y a de grandes chances qu'il ait, qu ait déjà fait ce contenu-là. Donc. Aller jeter un œil là-dessus. Et par contre, euh, ce serait, ça va être peut-être intéressant de pouvoir euh, rencontrer aussi des artistes avec ton point de vue de compositeur VFX. Et oui. ça, ce sera dans les prochaines semaines. Donc pour les gens Exactement. qui n'étaient pas encore abonnés, sur la chaîne YouTube Adobe France, c'est le moment. Et si vous n'avez pas encore fait le saut vers la page Beyance, je vous ai mis plusieurs fois le lien, même tout en haut, beyance.net, slash live, slash fr. Rejoignez-nous de ce côté-là. Nous, on regarde vos portfolios aussi, on échange avec vous, on essaye de comprendre qui fait quoi dans le chat. Et, euh, et ça nous permet, ben, ça vous permet, vous, de suivre les sessions, ça vous permet de regarder les sessions précédentes, sera là et vous pourrez retrouver euh, bah, des sessions qui vous correspondent merci à tous merci à toi pauline et ben bah, merci tout le monde et merci, merci à Eric. Si vous voulez nous suivre un petit peu plus, si vous voulez continuer la conversation, ça va se passer sur le Discord. Vous... On vous met le lien, pareil, dans les chats. Comme ça, vous pouvez nous, vous pouvez nous rejoindre. Je vous mets le lien du, coup, du Discord en français et euh, vous pourrez échanger avec nous. Ça devrait vous simplifier la vie. Et vous pouvez poser vos questions à Eric. Il est très fort. <laughs> voilà. Fin de la pause déjeuner Pool Post. Donc, euh, on va pouvoir. Euh... Retournez travailler tous. Merci beaucoup <laughs> et à très bientôt. Merci, bisous. Ciao, ciao. Bye bye. <laughs>